Silou, Cuisine Academy, bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une délicieuse soupe crue dans laquelle je vais utiliser l'eau de mer de Vitalicie. Alors, pour cette recette, nous aurons besoin donc d'une tasse d'eau de mer et puis nous allons utiliser du poivron, une grosse pomme, un avocat, un demi-oignon rose, du persil ou de la coriandre, de l'ail, du curry et du chili. Alors, on découpe tous nos ingrédients. Vous me voyez là découper la pomme, j'enlève le milieu et puis je la pèle. Alors, vous n'êtes pas obligé de les peler, mais moi, c'est pour une question de texture en bouche. J'aime pas trop la peau de la pomme. Voilà, on coupe l'avocat, on enlève le milieu et puis vous voyez là, avec quelle facilité on peut éplucher des avocats mûrs. On met tout ça dans son blender. On rajoute donc un demi-oignon rouge qu'on va découper en petits morceaux. Alors pourquoi est-ce que je découpe les ingrédients alors que j'ai un blender super puissant? C'est pour pas avoir à blender trop longtemps et pour garder quand même un peu de texture en bouche. J'ai pas envie d'avoir une soupe extra lisse. Voilà, vous m'avez vu rajouter donc l'oignon. Là, je mets du persil, mais si vous avez de la coriandre, eh bien vous pouvez remplacer votre persil par la coriandre. Là aussi, je coupe en petits bouts pour pas me retrouver avec des gros bouts de persil. Et puis, j'assaisonne donc avec mon curry et mon chili. Alors là, je l'ai faite un peu hot. Ça, c'est à vous de doser selon votre goût. J'utilise le blender vacuum. Donc, je vais mettre sous vide ma préparation, ce qui va permettre de limiter au maximum l'oxydation. Et tout se fait automatiquement. Voilà, j'ai chassé l'air, je verse ma soupe et tout ça a été préparé en à peu près 5 petites minutes. Une petite feuille de décoration, un petit tour de moulin à poivre et vous allez pouvoir vous régaler avec cette délicieuse soupe qui ressemble vraiment à s'y méprendre à une soupe de légumes cuite. Elle est délicieuse et je vous conseille vraiment de tester cette recette. N'oubliez pas de liker et de partager cette vidéo et de laisser un petit commentaire dessous. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.